Pour assurer la protection des commerçants et de la population, le GEM a distribué le lundi 11 mai des visières. En tout, c'est 115 visières qui ont été offertes aux commerçants de Saint-Jean-de-Maurienne. Donc, avec le conseil d'administration du GEM, on a fait une commande de visières qu'on offre gracieusement aux commerçants adhérents du GEM. Donc les visières ont été fournies donc par Maker contre le Covid. Aujourd'hui, jour du déconfinement, de nombreux commerces ont pu réouvrir leurs portes. Alors content déjà de retrouver le commerce, de retrouver les clients. J'avais un doute en me disant est-ce que les clients vont venir tout de suite. Et effectivement, moi j'étais là depuis ce matin 8h15 et j'ai déjà eu énormément de monde. Donc apparemment, les personnes avaient besoin. J'avais des clients qui venaient chercher des commandes qui étaient restées pendant 2 mois ici. Prêt à les accueillir et dans les bonnes conditions et en faisant justement attention à tous les gestes barrières. Mais par contre, il faut que l'activité reparte au plus vite. Et puis, pour ma part, je suis impatient d'attendre l'ouverture des restaurants pour aller manger chez eux d'une part, mais également pour les avoir en tant que clients puisque c'est une grosse partie de notre activité. Des commerçants locaux heureux de pouvoir accueillir à nouveau leurs clients, mais fortement affaiblis par ce confinement. Mais disons qu'ils sont un petit peu inquiets pour la reprise et ils ont besoin d'être soutenus et on espère qu'il va y avoir la reprise du commerce local, que les gens vont consommer local parce qu'il ne faut pas oublier ces petits commerçants parce que s'il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de centre-ville. Durant ce confinement, la radio locale Montagne FM s'est mobilisée afin de soutenir les actions du GAEM. Alors nous, la radio, on a fonctionné comme d'habitude, sauf qu'on était tous en télétravail. Donc grâce à Internet, aujourd'hui, les animateurs ont pu diffuser leurs sons, on a pu les programmer. Rien n'a changé. Au contraire, on avait encore plus d'auditeurs parce que les gens avaient plus le temps. Donc oui, on a fait une action pour aider le GAEM parce qu'on trouvait que c'était la moindre des choses. Donc on leur a offert de la pub. Voilà, 3-4 jours, à raison de 6 spots par jour, pour les aider, pour dire que on est là aussi dans ces moments-là. En respectant les gestes barrières, on vous donne d'ores et déjà rendez-vous chez vos commerçants. Consommer local permettra de soutenir l'activité en centre-ville.